Éric Thomas, hôpital de Garches, Raymond Poincaré. Je suis responsable et référent logistique sur l'hôpital depuis quelques années. Voilà, je viens de la filière soignante. Mon rôle pendant la crise du Covid a été essentiellement mettre en place tout l'aspect logistique. Il y a beaucoup d'aspects logistiques sur les approvisionnements, sur, on trouve également le bio-nettoyage à mettre en place, sur les circuits transports, l'élimination des déchets, le circuit alimentaire, un travail en collaboration avec la direction, avec des cellules de crise, la communication. Moi, ce qui m'a marqué, c'était plus au tout début, parce qu'on ne savait pas trop où on allait. Petit à petit, on voit les isolements qui sont faits dans les escaliers, les isolements, le ménage. Ensuite, le médecin de l'OH vient voir les équipes pour informer. Et au fil des jours, on s'est rendu compte que c'était effectivement grave. L'après, c'est ça. On s'est vraiment attelé à travailler sur les stocks et mettre en place une organisation entre le magasin qui stocke et les secteurs de soins. Où on a accentué, c'est surtout les EPI. Donc tout ce qu'il faut pour protéger nos soignants, nos personnels médicaux. Aujourd'hui, on est mieux préparé. Effectivement, on a su faire un état des lieux sur l'hôpital de Garches, mais également avec nos collègues du groupe hospitalier. Donc on a su travailler ensemble de manière à voir ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. On a communiqué. J'ai une équipe. Une dizaine de garçons qui prennent en charge tous les circuits transport de l'hôpital. Les garçons, quand on a commencé à leur parler un petit peu circuit des déchets, avec la dangerosité au niveau des tris, déchets Covid, non Covid. Donc ça a eu un impact un petit peu psychologique au niveau des équipes. On avait un peu peur d'attraper le Covid. Donc forcément, psychologiquement, ça a été un petit peu dur à gérer. Mais au fil des semaines, à force de rassurer, d'échanger, de communiquer, l'équipe a pris confiance. Il a fallu amplifier tous nos circuits en termes d'horaires, changer les horaires, venir travailler les week-ends, renforcer les équipes. Heureusement, j'ai une équipe formidable et qui ont su répondre à chaque instant quand on a eu besoin d'eux pendant cette crise. Ils n'ont pas du tout calculé leurs heures, ils ont été vraiment à mes côtés et ça, je les en remercie.